Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. Alors c'est probablement pas une nouveauté, mais je l'avais jamais vue moi celle-là, cette marmite en XL. Elle fait 30 cm de diamètre, elle est à 20 €. Pour le litrage, on est sur 6,3 litres. Elle est anti-adhésive à l'intérieur. Vous connaissez hein, cette gamme, la Tomado. C'est compatible sur tous les feux, dont induction. Vous pouvez laver au lave-vaisselle si vous voulez. Du moins si ça rentre. Et ça coûte 20 €. Ça, vous connaissez. Il n'y avait plus de stock. C'était parti à vitesse grand V. À 4,95 €. Les 4 accessoires. Hein. On a la spatule, la cuillère, la louche et l'écumoire. Côté cuisine, c'est un peu vide. Je vais aller voir à la déco. Je ne sais pas si vous les aviez vus, ces paniers-là, en moumoute. Alors, il y a deux formats. Vous les avez en grand, et en noir et en blanc. Là, il ne reste que du noir. Le petit, là, comme ça, il coûte 2 €. Et les grands, ils sont à 5. Vous pouvez aussi les acheter par 4. Donc, 3 petits et un grand à un peu moins de 11 €. Il est sympa en blanc, en plus. Mais bon, je ne peux pas vous le montrer, malheureusement. Donc, je vais vous montrer que le noir. Hein. Je vais vous les remontrer la prochaine fois. Regardez ce qu'on a de retour là, les petites lampes en pierre de sel, elle est à 5 €. Alors là on a un socle en bois exotique et c'est du sel d'Himalaya. Je sais pas c'est quoi les propriétés, c'est 8 cm de diamètre, 12 cm de hauteur. Et en fait à l'intérieur vous avez un câble USB, il faut le recharger. D'accord, il n'y a pas de prise, hein. ça se recharge et après ça se met, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de câble, on peut le mettre où on veut. 5 €. Ici, j'ai une nouveauté lanterne qui existe en noir ou en blanc à 7,95 €. Elles font 42 cm de hauteur et 15 par 15 pour la dimension. Il y a le petit détail, il est des quatre côtés. Hein. Les deux sont sympas si vous aimez le look un peu diamant. 8 €. Et là, j'en ai une autre un peu plus discrète. Là, on a trois couleurs. On a du sable comme ça. Ça coûte 5 €. Elle fait 24 cm de hauteur. Vous l'avez en noir ici et derrière on a du blanc. Je vais vous les mettre côte à côte et voilà ce que ça donne avec la petite anse. Franchement elles sont sympas. Disons que ça je préfère perso hein, parce qu'elles sont plus petites, du coup moins encombrantes. Par rapport aux précédentes que je vous ai montré, elles sont pas mal aussi mais beaucoup plus imposantes. Ok. Côté tapis, si vous aimez la moumoute comme ça là, on a les tapis Teddy. Regardez, alors celui-là il est ouvert. Un peu, je peux pas le déplier, il y a le petit crochet. Ça coûte 6,95 €, je vais vous montrer un visuel. C'est celui-là. Vous l'avez en trois couleurs, beige, blanc et gris. Ça c'est le blanc, qui est pas mal aussi. Et j'ai réussi à vous sortir un gris. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses, du coup ça vient rejoindre hein, les petits paniers que je vous ai montrés, qui sont exactement de cette texture. On avait le banc, il y a des coussins aussi comme ça. Donc ça c'est 6,95 €. Pour la dimension c'est 60 par 90. Et par ici je crois que j'ai fait le tour. Après tout ce qui est photo fort, vous avez toutes les gammes habituelles, on n'a pas de nouveautés. Donc je vais poursuivre vers la vaisselle. Désolée hein, si je filme un peu bas des fois, c'est qu'il y a du monde et que je ne veux pas filmer les gens à leur insu. Là je vais en profiter pour ramasser ça, quelqu'un l'a fait tomber. Allez, moi c'est ça que je voulais vous montrer, c'est ces caisses de rangement. Alors je suis pas sûre, ouais elles sont empilables si vous en prenez plusieurs. Ça coûte 2,60 €. Pour les couleurs j'ai du transparent et du vert. Alors des empilables, je vais voir dans... Ah oui non mais empilables quand il n'y a rien dessus quoi. Sinon, ok, 2,60 €. À la vaisselle, on a le retour de ces tasses-là. Regardez, il en reste plus que 3. Hein. Elles sont rentrées il n'y a pas longtemps. Et il y en a déjà plus, ça coûte 2 €. Donc c'est la petite tasse, c'est comme un verre à thé avec une anse, avec en plus la petite soucoupe. Vous avez différents motifs. Les petits mugs comme ça, ils sont trop mignons. Mais regardez, c'est la gamme Reactive Glaze avec en plus la petite oreille dorée. Et ça, ça coûte 2,80 €, c'est le dernier. Il y en a déjà plus. Aussitôt arrivé, aussitôt vendu. De ce côté, comme vous pouvez constater, c'est complètement vide. On n'a pas de nouveautés, donc je vais poursuivre. Écoutez, on est là. De toute façon, pour... Ah, regardez. Il y a ça. C'est revenu. Vous vous rappelez de ces petits pots, là, avec le couvercle à visser à 1,80 €. Ça fait 1 litre de contenance. Ils sont de retour, si vous les cherchez. Je reviens à la vaisselle, parce que je ne vous ai pas montré. Regardez ce qui est revenu. C'est la cloche à gâteau. Elle est à 5 €. Alors, il y a deux couleurs. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a la anse au-dessus.
pour transporter sa tarte ou son gâteau. Vous l'avez en rose et en bleu. Et là, on est sur un diamètre de 28,5. 4,95, c'est moins cher que chez la concurrence. Hein. Je crois qu'on est plus dans le tour de 8-10 euros. Voilà, tout est ici. On a déjà les premiers emporte-pièces pour faire des petits sablés. C'est 2,62 les 10 en zinker. Ils sont d'excellente qualité. Là aussi, on a un retour en stock. Ça va vous intéresser. C'est les paniers armoires sous étagère. Ça coûte 2,62. Pour la dimension, c'est 41 par 26, 24 cm de hauteur. Et vous voyez, ça se met sur la petite tablette. Et hop, on gagne du temps de rangement. Il n'y a que du noir. Du temps de rangement, qu'est-ce que je raconte? De l'espace. Vous avez dû le voir dans le catalogue, l'arbre à chat. Alors, le prix, il est là. C'est 30 euros. Par contre, il est vachement grand. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il fait 1,13 m de hauteur. Et on a quand même 1, 2, 3, 4 positions avec la petite niche. Je vais vous montrer comme ça. 30 euros, l'arbre à chat. Et à 9 euros, ils ont rentré ça aussi. C'est un petit cube avec la petite niche. Il peut s'asseoir dessus et dedans. Je trouve ça adorable. Voilà. Et ça coûte 9 euros. Allez, je vais continuer. Je vais arriver au rayon beauté. Ils ont mis déjà tout ce qu'il faut, des petits coffrets cadeaux, que ce soit pour Noël ou pour tout le temps. Hein. Ça, je ne sais pas si vous avez vu, les petits savons et lotions pour les mains à 3,40. Le lot de deux, vous avez ces deux sortes. Alors là, il y a écrit Fresh Blossom et ici Gracious Lily. Je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent exactement. À côté, on a un petit panier comme ça, garni pour le bain, qui est adorable aussi à 7,50. Dedans, vous avez un lait pour le corps, un gel douche, la petite fleur de bain, les sels de bain, bombe de bain, une crème pour les mains aussi. Et on n'a que du vert, il n'y a pas d'autre senteur. Ça, c'est 7,50. Ça aussi, je suis sûre que ça va vous plaire. C'est des blocs de savon massage. Alors, on a plusieurs senteurs. On a lavande, argan. Le petit dernier, c'est coconut. Je vais vous le montrer puisqu'on peut l'ouvrir facilement. Ça coûte 1,60. Et regardez, il y a des picots en fait. Donc ça lave. Et en même temps, ça masse. Toujours la galère avec une main. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Donc ça, c'est 1,60. Et l'odeur, franchement, c'est super top. Agréable. Là, on a une nouvelle palette qui est sortie avec 28 couleurs. C'est Fab Factory. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire les paupières, les joues. Voilà ce que ça donne. Elle est à 6,50 €. Alors, je sais pas, il y a écrit 20 pièces ici et là 28. Mais elle est vraiment pas mal. Ça aussi, c'est nouveau. C'est un gel douche famille. Alors, c'est du 3 en 1. Ça fait shampoing, lavage pour le corps, donc gel douche. Et ça peut faire aussi, comment ça s'appelle? Bain moussant. Hop, j'en profite, je sais pas, il y a un trépied ici. J'ai que ces deux sortes. Ça coûte 2,22 €, il y a 750 ml. Ça, je sais pas si je vous les ai montrés, ces gels douches là. J'adore le packaging, c'est du plastique. Hein. Ça coûte 2 €, c'est 400 ml. On a aux fruits et aux fleurs. Il y a quand même pas mal de choses là en ce moment à la beauté, donc ça, c'est vrai que c'est top. Ça, j'aurais bien essayé. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous surtout, bye.